Assure-moi, t'as pas déjà fini le plat? Si, Gensei, j'ai grillé fort. Je l'ai cassé le plat, gros. Atomisé, gros. Allez go les gars, on va voir ce qu'ils valent un peu. Ok, on est sur X Jamy qui a déjà un kill les gars. Oh attends, il a déjà un kill et son loadout. Pas mal. Il joue avec des smokes. Grenade, ok. Il joue avec quoi comme arme secondaire? Car les gars, avec un petit x3, il y a moyen que ce soit intéressant. Premier degré, j'ai vraiment l'impression de voir Skyros jouer. Il loot pas mal, il se déplace de façon quand même bien intelligente. Ça joue manette. Il a un kill, il reste 82 personnes. Ça m'étonne pas qu'il joue comme ça. Vu que maintenant les zones se resserrent beaucoup plus rapidement, etc. Mais tout le monde joue beaucoup plus lentement, etc. Beaucoup plus de façon réfléchie. Genre ça se chie dessus, tu vois. Limite, le mec il est en train de penser à... Est-ce que je resterai pas là toute la game? Il campe sur le toit le plus haut de la zone. C'est-à-dire que là, s'il est knock, il est absolument imprenable. Genre, tu ne peux pas monter. C'est une carcasse de chien mort, les gars. Ah, ça va l'exciter. C'était pas mal, les deux balles. 90% des joueurs jouent comme ça. J'exagère même pas. C'est abusé, franchement, c'est abusé. Je suis perplexe, chat. Il est vraiment nul. Il est vraiment nul à chier. Tu penses qu'il prend du plaisir? Je pense qu'il aime bien son petit moment. Là il a tiré genre 1 mm trop haut. Voilà. Tu vois pourquoi est-ce qu'il est serein les gars? Le seul endroit où le mec peut monter c'est cette échelle. C'est le seul point d'accès. Je pense que c'est un joueur nul, genre nul de chez nul, mais qui aime bien les jeux de guerre, tu vois. Mais il est nul dessus, tu vois. Pitié, dis pas ça, j'ai l'instant de voir ta vidéo TikTok. On est zone 3, les gars. La zone se referme dans 50 secondes. Il n'a pas bougé de sa zone de départ. Il est à 3 kills parce que des mecs se posent dans son viseur. Je suis catastrophé, chat. Non. Oh. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de monter. Il y en a un qui il veut se le faire. Il se met le plus haut possible, les gars. Il sait même pas s'allonger, il se met accroupi. On dirait qu'il chie sur le toit. Putain de plombier, gros. Le mec qui a envie de se le faire. Il s'est fait backstab par l'autre à gauche. Là. Alors, il connaît sa zone par cœur, les gars.
Il connaît sa zone par cœur. Ah, c'est une horreur. Je suis 100% sûr que toutes ces games, il les fait de la même façon, les gars. Oh mon dieu. Là, ce joueur, les gars, avec l'aim assist, tu rentres dans la pièce, t'es mort. Hein. Il a le script avec lui en plus, vu que c'est à niveau 42. Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Cache ses armes. Prends ses armes pour les cacher. Il est malade. Le mec est fou, les gars. La zone, c'est une zone bourrée de maisons. Pour ce genre de rat, c'est un terrain idéal. Toutes les games, il les fait de la même façon. Toutes les games, il atterrit là. Toutes les games, il ouvre les mêmes boîtes. Toutes les games, il ouvre les mêmes trucs. Il a masterisé son spawn, en gros, en quelque sorte. Ce qui fait que toutes les games, il est fait de la même façon. Et selon là où la zone, elle part, mais il part lui aussi, genre de ce côté de la zone. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il a son crosshair placement dans le sol. Normalement, le viseur, tu le mets à hauteur de téton pour avoir quelques réflexes pour tirer sur quelqu'un. Mais il se balade en regardant par terre. Ah. Si, il y a de l'aim assist. Il y en a. Voilà, partie terminée pour Jamy. Il est arrivé quand même jusqu'au top 10, les gars. Et on tombe sur Essan, les gars. Essan qui a la PP Bison et a la XM4 sur la meilleure pose du jeu avec 17 kills. 17 kills, les gars, c'est. Je fais tout juste des games comme ça. Donc, logiquement, ça veut dire que le mec est très, 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 très chaud. Il en reste plus que 4. Il vient de se faire tuer par un mec pas très très bon. Je pense qu'il l'a entendu mais que nous on l'a pas entendu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. En fait depuis tout à l'heure il était allongé là les gars. C'est incroyable. Je connaissais même pas cette position les gars. C'est pas un glitch hein. C'est juste en dessous. C'est incroyable. Parce que là si le mec passe par la droite, comme là ça va arriver. Ouais, le script. Ouais. C'est un Prestige 10 qui lui est arrivé dessus. Il l'a découpé. Il a même pas visé. Et en 6 balles, il l'a détruit. On l'encourage. Je vais pas te mentir que je préférerais que ce soit forcément l'autre personne qui gagne. Mais force est de constater qu'actuellement, il est très bien parti pour gagner. Il a le top. Il a les bonnes grenades. Il a un masque à gaz ainsi qu'une autoréa. 58 000 balles. Ouh. Le petit parachute au dernier moment, les gars. J'ai frissonné. Là, la bonne position, elle est derrière le tank. Est-ce qu'il va y aller? Ou est-ce qu'il va tempo la zone pour attendre que le mec sorte en dessous? C'est la deuxième solution. Il va tempo la zone pour attendre que le mec sorte. Le mec ne sort pas. Le gaz progresse. Nouvelle zone de sécurité. Et le mec était en dessous, il était encore caché. Oh là là. Il le push. Le dieu d'aim assist alors peut-être. Et il gagne, incroyable. Quand il est passé dans le... dans la zone de focus d'aim assist. Rah. Bon j'espère que vous avez kiffé cette petite game. Commentary sur comment jouent les joueurs Warzone, c'est quelque chose.